Jeu de loi, c'est en fait vraiment un jeu de loi, parce que à Reniva, là où on est, il y a aussi un jeu de loi en fait Oui, qui dans a la été, forêt. comment dire, Grandeur en fait, nature. oui, grande, attends, qui a été créé ou initié, je sais pas, par Boudet, l'abbé Boudet. L'abbé Boudet, lui qui est aussi, maintenant je sais que c'est un cargo, parce qu'il a codé sa, comment dire, son bouquin, la langue des Cro-Magnon, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais ce bouquin, c'est un bouquin codé pour les gens qui savent, pour les cagots, parce qu'il a transmis aussi ses mémoires de cagots aux gens qui comprennent, tu comprends? Eh oui. Comme Fukalenin, il a fait la même chose. Donc Boudet, c'était un initié cagot, c'était un ancien cagot. Eh oui, c'est toujours codé. Voilà. Et donc, à Reniba, il y a un jeu de loi. Un jeu, en fait, c'est des pierres où apparaissent une voie. Donc, des voies avec le dé, avec. En fait, c'est tout un parcours initiatique dans les cromlechs de Reniba. Tout ça, ça nous ramène à nos mémoires. Donc, je vais un peu plus loin de cette histoire. Et en fait, depuis quelques années, je retrouve à Reniba un symbole. C'est-à-dire que ça s'appelle la croix dans le cercle. Je vais t'emprunter. Laisse-moi debout. Un Pas possible. stylo et du papier. Non, 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 non. Ah, carrément ça. Tu vois, je vais t'emprunter ce plateau. Ce plateau, en fait, c'est exactement une croix dans le cercle. Si j'avais su, je l'aurais astiqué. Il fallait pas savoir. C'est les mêmes croix qu'on retrouve à Reniba. Donc, à chaque branche, à chaque extrémité de branche, il y a une espèce de M. Donc, sauf que chez nous, les branches sont légèrement plus grandes, mais c'est la même chose. Hein. Donc, Ah oui. chaque point, c'est un M. Et tu peux prendre la progression, ça marche. Hein. Ah ben J'arrête oui. pas de l'avoir cette étoile ces jours-ci. Ah, Oui, 8 branches? Oui, 8 branches. Ouais, Oui, c'est branches. rare. Hein. Et où? Au sol, quand je me suis baladé. Et, bah, c'est intéressant de trouver où. J'ai plus la mémoire, mais cette étoile. Hein. Ah oui. Ouais, Dans le Béarn, c'est sûr, je l'ai vu. Ouais. Il y a quelques jours. Ah oui, branche, c'est sûr. Donc, la question qu'on peut se poser, pourquoi on retrouve ces croix à Reniba? Et aussi, pourquoi on retrouve les croix. Comment ça s'appelle les croix? Celle-là. Là au boulot. En Alsace. Parce qu'on retrouve les mêmes en Alsace. Où il y a cette histoire de la ferrette des cagots à pas de doigts. C'est la légende. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des légendes qui sont transposées, en fait, qu'on retrouve dans certaines régions de France, transposées à d'autres endroits. Hein. Ces légendes, en fait, ça veut dire que ça, c'est le tracé des descendants de l'Atlantide qui ont immigré à travers la France, à travers les différentes régions, pour s'implanter à différents endroits. Et donc, ces familles. Donc ça peut être des cagots, mais aussi ça peut être d'autres familles d'initiés. Parce que c'est pas forcément tous les cagots qui sont. Enfin, tous les cagots sont initiés, mais tous les initiés ne sont pas forcément cagots. Parce que les templiers, comment dire, les cathares et les templiers, c'est des initiés aussi, certains parmi eux. En fait, c'est eux qui ont laissé les traces. Donc, ils ont laissé les symboles dans les régions. Donc, il y a eu des familles templières qui avaient tel et tel symbole. D'autres familles templières qui avaient été des symboles, mais tous ces symboles, ils avaient un point commun, c'était une croix. Et une croix avec des terminaisons, on appelle ça les croix pâtées. Les croix pâtées avec différentes terminaisons. Donc il y a des croix avec des pâtes, comment dire, Il y a des croix comme panées celle-là. aussi. Oui, mais croix pâtées, c'est autre chose. Mais les autres croix, c'était des croix pâtées, mais un petit peu en pâte, ou en fait, il y a plusieurs différentes formes de croix Ouais, les pâtées. harmonies différentes. Il y en a plein. Et en fait, ces croix, je les mettrai sur le site, hein, il y a toutes ces différentes croix. En fait, ces différentes croix, ce sont les symboles des familles qui étaient initiées. Tu vois, ici, les familles de Basques, ils ont des blasons. Hein. C'est, en fait. Non, je précise, ça c'est C'est propre à Navarre. Navarre, à la Oh, province de la ok, en Navarre. Navarre. Ici, en Navarre, ces familles de Basques ont des blasons. Bon, en Alsace aussi, il y a des blasons. Hein. Et ça n'est pas pour marquer, enfin pour marquer Une ne serait-ce que de organisation. façon symbolique une forme Non, non. d'initiation. C'était pour dire, ben, voilà, j'ai des possessions, Ok. bastan, tu vois. Ça, c'est d'accord. Mais les gens, comment dire, les initiés, donc les familles d'initiés, avaient leur symbole familial, si tu veux. Leur symbole famille, mais de famille étendue, si tu veux. Donc les Templiers ou les cathares de l'époque, ils avaient cette croix-là dans la région de Reniba. Il y a une autre croix dans la région de l'Ouragé. Il y a d'autres croix dans la région du Razès. Il y a différentes croix,
En fait, ces croix marquent les endroits où sont implantées ces différentes familles d'îles, si tu vois. Ouais. Si tu veux. Donc, en fait, il suffit de suivre leurs traces pour recouper, pour retrouver les familles qui sont implantées à tel endroit. Donc, si on retrouve cette croix ici, et en Alsace, ça veut dire que c'est la même famille. Tu veux te comprendre? C'est pour ça que je peux dire qu'on a un lien. Mon lien, moi ici, avec le Pays Basque, c'est un lien intime, si tu veux, que je commence à contacter, mais en fait, c'est matérialisé par les symboles qu'on retrouve dans certains endroits. Bon. Et ce dont j'aimerais qu'on parle aussi, parce que c'est vachement important à mes yeux, c'est la façon dont... Enfin, disons que Hélène et David sont arrivés 2 jours après vous. Oui. On avait déjà eu le temps de passer un bout de soirée ensemble et le lendemain, une journée entière ensemble, ce qui avait permis de tisser des liens. Mmh. On avait commencé notre recherche et nous, on était à fond dedans, la caisse dedans, quoi, voilà. Et là-dessus, le lendemain, l'après-midi, arrivent Hélène et David. Et effectivement, je me suis dit, bon, eux, ils arrivent sur un truc qui est déjà parti. Et d'abord, il y a beaucoup de trucs qui m'ont très vite fait sourire. Et j'étais stupéfaite de la rapidité avec laquelle ils sont rentrés dedans. Mmh. Voilà. Déjà, Hélène, tout de suite, ce qui m'a vraiment marqué, parce que bon, les Français, ou peu importe, tous qui ne sont pas basques, ont énormément de mal à prononcer les mots basques. Et cette facilité, non seulement que tu as les prononcer, mais à les retenir, moi, ça m'a spanté, comme on dit à Marseille. Vraiment. vraiment. Voilà. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de fort, tu avais déjà vécu des choses fortes ici. Bon, mais ça, c'est uniquement par rapport à ce pays. Et après, lorsqu'on est allé à Cibourg, donc en plein, une ville avec une vraiment forte tradition cargo, tant l'un que l'autre, même si c'est de manière différente, c'est là que vous êtes rentré dedans. Ouais. Et alors, je vais te dire un truc, on s'était dit qu'on devait le tenir secret, et qu'hier on pouvait te le dire, David, mais bon, je te le dis. Une des spécialités des cagots ici, c'est de jouer de la flûte. C'est un type de flûte très particulier à 3 trous qu'on appelle le chistou, quand on joue avec une seule main. Et Hélène, Sand me dit, tu sais, on va rien lui dire, il a une flûte, David. Il est en train de jouer devant la porte. Voilà, tu sais ce que je lui ai dit quand il jouait de la flûte. Elle a plus de 3 trous. Hein. Ouais, non, mais peu importe. Non, mais c'était dans la symbolique, en fait. Tu vois? Parce que là, d'un coup, personne ne s'y attendait. Enfin, des joueurs de flûte, il y en a des... Non, mais c'est pas le genre de flûte qui compte. Ouais. Tu es attiré par la flûte. C'est ça. Ouais. Ok. Au moment où j'ai de la flûte, c'est ce qu'il a dit. Et Genaël a la sienne dans son camion. Ça. Oui, et lui, il a pris la sienne dans son camion. Oui, c'est des flûtes. Tu prends la flûte, hein? C'est j'ai dit, mais quoi, ça se fait. Il me dit, n'aie jamais de prendre ma flûte. Tu vois, ce que je disais, en fait, c'est quand il a joué de la flûte, je dis, ah bah ouais, les cagots, ils jouent de la flûte. Oui, un peu dans le. Parce que parce que les cagots jouaient de la flûte. En fait, j'en savais rien, mais je faisais. La musique amérindienne. La musique. Toi, t'es attiré par la musique amérindienne. Ouais. Tu vois, j'ai une flûte amérindienne. En fait, je joue plus la flûte amérindienne que Moi, j'adore. Enfin, j'en ai plusieurs. Regardez les vidéos, t'as beaucoup d'Amérindiens qui jouent. Enfin, qui est sur YouTube, on en trouve. Du coup, tu dois faire des liens avec toi au fur et à mesure. Ça y est, ouais. Ouais, carrément. Ouais, c'est la flûte native. J'adore. Ouais. Ah ouais. Okay. Ben en tout cas, moi, par rapport au contact géographique, tu parlais de la Corse et tout ça, moi, là où ça me ramène, c'est un voyage que j'ai fait à cheval, où je suis partie d'Ardèche, on est descendu dans les Pyrénées-Orientales, on a longé tous les Pyrénées jusqu'au Pays Basque, et au Pays Basque, à Elizondo, donc l'endroit où on s'est arrêté au fameux compostage, 10 ans auparavant. On a rencontré Yon, qui était une personne assez particulière, quoi, et John, qui nous a dit, mais pourquoi vous allez vers la Galice, on est l'automne, vous allez vous recevoir toute la pluie maintenant, parce qu'on pensait aller en Galice, passer par le Portugal, aller en Andalousie. Il nous a dit, prenez les Cañadas, il y a la Cañada Soriana, qui est une Cañada qui descend, qui traverse, oui, Cañada, c'est une voie de transhumance... qui date de super longtemps, c'est même les animaux qui les prenaient, qui se déplaçaient au fur et à mesure des saisons pour manger l'herbe, et que les agriculteurs ont repris avec les animaux, et qui après sont restés des voies publiques de 70 mètres de large que personne n'a le droit de clôturer. Donc on peut même camper sur cette grande voie, on peut faire pâturer les chevaux.
elles sont en train de disparaître, mais là, il y avait celle-là qui existait, qui descendait direct dans le sud. Il a dit, ben, descendait direct dans le sud. Donc, il nous a mis au courant de cette voie qui existait, de transhumance. Et on a fait ça. Et en fait, ça veut dire qu'à Elizondo, on a changé, en fait, le sens de notre voyage. De notre voyage. Mmh. Et c'est pour ça qu'après, on est arrivé dans le Portugal, on est remonté dans le Portugal. Et on est arrivé en Galice et on a fait le chemin de Compostelle. On a pris des bouts parce qu'il y a des endroits où on n'avait pas envie, c'était trop touristique, mais on a fait tout le chemin de la côte où tout le monde nous disait « Mais pourquoi vous faites le chemin à l'envers ?» C'était très souvent que les gens qu'on croisait, puisqu'ils allaient tous dans le même sens jusqu'à Compostelle, nous disaient « Vous faites le chemin à l'envers. » Et donc, c'est à ce moment-là, à Elizondo, donc ici dans les Pays Basques, qu'on s'est remis à l'endroit quelque part dans le véritable sens primitif du chemin. Quoi. Et aussi, ce qui se passe, c'est que tes histoires de poissonnières qui m'ont bien fait tilt aussi. Quand en fait, on était deux filles, deux amies, on voyageait et on a adopté un chien au Portugal. Mmh. Enfin, Camille, la copine avec qui je voyageais, a adopté un chien. Et en fait, ce chien s'est fait rouler dessus. Donc, elle a dû assumer de rester. Trouver une ferme, rester avec son cheval, attendre les soins veto, ça a duré un mois et ça correspondait à un moment, on avait envie de faire notre chemin pendant un moment chacune de notre côté et de se retrouver après. Et du coup, là, c'était dans le Portugal, au nord du Portugal. Et à ce moment-là, moi, je suis partie toute seule avec mon cheval et mon chien et j'ai commencé à visiter en fait toute la côte nord. J'ai pris le temps de visiter toute la Galice et il y a un endroit où je me suis arrêtée que j'ai adoré, c'est Mouchia. Et Mouchia, c'est juste en dessous du Finistère en fait, c'est une autre pointe quoi, qui est en dessous du Finistère. Et là, j'étais accueillie par les papis, mamie, marins du coin. Je me souviens, le papy qui avait été en mer toute sa vie, qui pouvait plus, il avait plus la parole, en plus il avait un trou dans la gorge. Il était toute la journée sur des gros cailloux dans les criques avec un espèce de roseau, je sais pas, une technique de pêche. Il était là. Et j'étais sidérée par ce papy. Et là j'avais plein d'histoires à Mouchia de la violence de l'océan et des marins qui restaient en mer, qui mouraient en mer, qui revenaient pas, de cette dureté-là, et ça, enfin, je sais que ça m'a... Ça te parlait. Ça m'a parlé. C'était la première fois que j'étais en contact avec des gens du cru, enfin vraiment dans ce contexte-là par rapport à la mer. Quoi. Et je suis restée longtemps, j'avais trouvé un parc pour les chevaux à côté de l'eau, enfin voilà. Et ensuite, on s'est retrouvés... Enfin, moi, j'ai fait vraiment toute la Galice, toute la côte, et Camille a recoupé, on s'est retrouvés plus loin, quoi. Donc il y a eu ce truc en Galice qui correspond avec ce que tu racontes, hein, des migrations, enfin le peuple atlante qui est arrivé dans cet endroit là et c'est comme si pour moi ça avait été un début parce que je me suis retrouvée toute seule à cet endroit là j'ai eu vraiment le temps de... Et toi, et juste peut-être préciser, Hélène, rappeler ce que je disais tout à l'heure, c'est que Mouchia, c'est sur le chemin. Bon, une fois arrivé au Finistère, il faut continuer. Ah oui, et Mouchia est sur le chemin de la fameuse... C'était le chemin des alchimistes. Jusqu'à un endroit précis, la fameuse crique du croissant, où on trouvait la pierre... la pierre philosophale, non. L'antimoine. Et bon, et je me suis promenée avec cette pierre en Mouchia. Tu étais vraiment dans le circuit alchimique. Ouais. Et probablement... Oui, donc j'ai dû inconsciemment reconnecter ces mémoires et refaire le chemin... Du fait qu'à Elizondo, ça s'était remis à l'endroit. Et m'arrêter dans les Pays Basques deux fois aussi, dans une famille d'indépendantistes basques. Oui. Donc à l'aller, au retour. Pas des moindres du côté français. Hein. Ouais. Attention, le point névralgique des Barretarac, elle était. C'est-à-dire de la lutte armée en Pays Basque. Oui. Bah, ils avaient tous des amis en prison. Enfin, bah, c'était fort. Quoi. Et les Pays Basques, bah, j'ai vu en y revenant, il y avait plein de souvenirs, des noms qui revenaient, des lieux très forts. Enfin, quand on discutait justement de comme Bidaraï, tu me disais, bah, là c'était aussi un lieu. C'est ça, parce que c'est là que tu étais à Bidaraï. Ouais, enfant, quand j'étais gamine, donc on était venu à Bidaraï déjà. Ah oui, déjà, dis donc, déjà. Et
Enfin voilà, il y a eu plusieurs fois où je suis passée ici et c'était aussi un des endroits de tout le voyage à cheval qu'on a fait. Il y avait le nord du Portugal et les Pays Basques où c'était une zone où j'aurais aimé habiter en fait. Quoi. Mmh. Et où tu as vécu, c'est tout. Oui, voilà. Oui. Et j'avais qu'une envie, c'était revenir. Et donc, oui. D'ailleurs, je suis revenue pour observer les loups au nord du Portugal. Parce que franchement, t'es la première Française hein, que je vois qui prononce les noms basques comme ça. Mmh. J'étais surprise quoi. Ah, ouais. Ça montre bien qu'on retourne toujours sur des lieux dont on a... qu'on connaît. Et tout ça pour se rappeler. Oui, voilà. C'est pour se rappeler que retrouver sa famille, parler de la famille, moi je parle de la famille, mon père, tout ça, mais je ne m'arrête pas à ça. Pour moi, la famille, c'est vraiment au sens le plus large. C'est la famille d'homme. Oui, exactement. Comme dans mon rêve, se séparer de la famille, c'était symbolique. Cette séparation, que j'en avais marre, je voulais partir parce que le chemin, il est très très difficile. C'est une voie qui est la plus difficile, le cheminement qu'on est en train d'effectuer. Donc, c'est faut avoir la force de caractère de dépasser toutes les embûches qu'il y a sur notre route. Hein. Puis c'est le lieu qui garde les vibrations. Enfin, tu vois, parce qu'il y a quand même quelque chose que je ne vous ai pas commenté lorsqu'on était à la Cibourg. Bon, on en a parlé brièvement, je vous en ai parlé brièvement, un peu plus avec David le lendemain. Moi, à Cibourg, pendant trois quarts d'heure, une heure, j'ai senti ma prédatrice, mais c'est rare que j'ai senti aussi fort. Ah oui, la tentation, moi. Voilà. Et donc, bon, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé la fiesta et qui, au fond, j'ai des très bons souvenirs de tout ça. Hein. Il y a le côté très bon vivant d'ici, voilà la fête. Tu as le sang chaud. J'ai le sang chaud. Et donc, bon. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Tu m'en fais pas vraiment. Que ta prédatrice. Hein. Oui, c'est voilà. Bon. Et donc, on est arrivé à Cibourg, c'était en plein heure de l'apéro. Ah oui. Et on arrive dans un. Bon, Cibourg est tout à fait différent de Saint-Jean-de-Luz. Cibourg, c'est une. Enfin, il y a une mentalité populaire. S'il y a beaucoup de locaux. Et une mentalité populaire, et bon, c'est tout ce que j'aime, c'est ce que j'aime, hein, comparé à Saint-Jean-de-Luz, à 200 mètres de là, qui est totalement l'inverse. Et on arrive donc sur cette place de Cibourg, et il y avait un troquet, mais vraiment, ça avait tout pour être sympa, chaleureux, bonne ambiance et tout. Et je me disais, mais oh là là, mais de toi, tu serais toute seule, mais tu t'arrêterais, tu boirais un coup, tu observerais, tu écouterais les conversations. Fin... Et tu mangerais. Quoi ? Attends. Et bon, au bout d'un moment, allez, je me dis, allez, suis, je suis. Et bon, je suis, mais j'avais conscience que c'était elle, parce que je bois rarement de l'alcool maintenant. Mais j'étais avec vous, en train de faire quelque chose d'important, et vas-y qu'elle revient, qu'elle me donne envie de boire une bière, un truc comme ça. Et voilà, tentation. On continue. Et on était sur la place, à un moment donné, sur la place de l'église, où il y avait tas de choses à observer. Et bien moi, je rêvais d'un steak avec 3 ou 4 rations de frites. Et 3 ou 4 rations, mais c'est pas rien. Ouais. Et tu vois, et au fond de ma tête, je me disais, mais oh, mais on voit tout chier, ce régime cétogène, tu vois. Et profite de la vie, ça sentait la bonne cuisine partout et tout. Ouais, ça sentait la convivialité, mais c'est ça, l'échange. Ouais. Et en fait, elle a joué de ça complètement. Mmh. C'est pas un hasard si là, elle m'est revenue, mais à une puissance que je l'ai vraiment sentie. Hein. Mmh. Alors, j'ai rien dit sur le moment, parce que honnêtement, j'étais vachement mal dans cette contradiction-là, quoi. Mmh. Dans la conscience de cette contradiction. Et en fait, maintenant, je comprends que quand ça arrive si fort, c'est qu'on est dans un moment très important, où on doit faire quelque chose de très important, et là ils arrivent, mais ils t'en mettent une grave, quoi. Pour nous détourner de notre quête, en fait. C'est la tentation. Voilà, enfin, je le dis avec mes mots à moi, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Quoi. Oui, dans le film qu'on a fait avec Johannes et Emma, ils parlaient vraiment de ça, du palier, et comment eux, ils ont pris conscience que quand il y a un palier important, et ben il y a toutes les choses qu'essayent de dériver, en fait, et l'histoire de la fausse guidance et de la vraie guidance, quoi. Truc d'arriver à sentir... Sans, chez toi, ça fait un moment que ça a démarré. Tu as expliqué que Génaël est partie sur la recherche des cagots avec un engouement pratiquement dès le départ, hein, c'était extrêmement important. Et que moi, je prenais des cafés. Tu as suivi. Parce que bon, c'est Génaël, c'est ton compagnon, etc., etc.,
tu as suivi, mais que tu t'étais, c'était un peu forcé. Et tu as senti des choses qui t'arrivaient, ton prédateur qui était là de plus en plus fort. Quoi. Ah oui, oui. Et nous, on a vécu le même truc à l'échelle de Sandrine avec Genaël, c'est-à-dire qu'on est venu là. Moi, j'avais une impulsion avant de venir aussi ici, mais je sentais que c'était pas du tout le moment. Quoi. Et du fait qu'il y ait leur décision de venir là, on s'est dit, bah ouais, ouais, moi j'ai envie. Du coup, bon, j'ai mis la pression à David, le départ était pas facile. Mmh. Et avec ma peur de louper les miettes, enfin, comment on dit, les rater les miettes, quoi, enfin voilà. Et du non, coup. D'avoir que les miettes, hein, plutôt. Oui, voilà, je cherchais l'expression. Et en fait, du coup, le fait d'arriver là et de me plonger dans l'histoire des cagots, que juste Genaël nous avait partagé à Viry, mais j'en savais pas plus. Pareil, c'était mental. Et après, le fait d'aller sur le lieu, sur l'église, ben là, ça commençait à descendre dans le corps par une nausée. Mmh. Et la nuit, bon, certainement des résistances, hein, mais en tout cas, la nuit, il y a eu une énorme nausée. C'était très, très douloureux dans le corps, quoi. Vraiment, en pleine nuit, qui est remontée, exactement la même qui était remontée sur la place de cette église à Cibourg, quoi. Mmh. Et donc, je vois les résistances qui sont là dans le corps et qui ont besoin de lâcher. Là, tu lâchais tes mémoires. Oui. Ouais, je l'ai rencontré, ouais. Mais enfin, j'ai pas l'impression que ta prédatrice ou ton prédateur, on va dire, il t'est empoigné, quoi, tu vois. Ouais, ben moi, ça se joue par ce dont on a bien discuté, ce truc de séparation dans lequel mon émotionnel me focalise et m'empêche de m'ouvrir à d'autres informations parce qu'il me maintient dans un état émotionnel où du coup je suis pas ouverte à autre chose. Oui, plutôt de dire je suis séparée, c'est pourquoi j'ai ça, quoi. Oui, d'aller découvrir pour que ça mène une nouvelle quête de recherche. C'est très subtil parce que je suis toujours, David d'ailleurs il dit mais arrête de décortiquer tout, parce que je suis toujours à essayer de vouloir pourquoi et comme tu dis de vouloir fuir, de vouloir résoudre le truc, quoi. Et le juste milieu. Et oui. Mais on ne peut pas résoudre quelque chose comme ça. Et ben voilà. Parce qu'on veut le résoudre dans une bonne volonté, hein, parce qu'on ne veut plus souffrir, quoi. Mais le résoudre là, de suite, instantanément, parce que ça y est, on en a marre de souffrir, ben ça nous empêche de voir autre chose. Parce que c'est justement parce que ce qui est important, c'est pas de résoudre la chose, mais c'est de faire le cheminement pour résoudre cette chose. Voilà, et c'est là où je me fais attraper par mon exigence et mon envie d'avancer plus vite que la musique, c'est le fait de me dire, ok, j'ai ces émotions, je veux comprendre d'où elles viennent. En comprenant d'où elles viennent, j'aurai ma prise de conscience et ça me permettra de passer un cap. Mmh. Et en fait, tout ça, je sais que ce processus-là, il existe, mais je veux l'accélérer, c'est mon exigence. Mmh. Et c'est l'envie de plus souffrir de ça. Mmh. Et du coup... Bon, on a eu une discussion intéressante sur les émotions encore au pied de l'église. Bon, c'était l'église avant. Justement, je comprenais dans cette douleur-là, parce que je la visite régulièrement, cette douleur, quoi. De la séparation. De la séparation. Mmh. Où je comprenais dans cette douleur-là le fait du rôle de l'émotionnel, en fait, de nous guider vers ce qu'on a à voir et de pas forcément, comme moi j'étais dans la croyance quand j'étais dans les... thérapie, rituel New Age, de ok, j'ai trouvé la clé, c'est bon, ça c'est réglé, maintenant je suis libre, quoi. Et en fait, c'est pas ça le but, justement. Le but, c'est de voir cet émotionnel-là et de voir ce à quoi, le secret auquel il va nous permettre d'accéder. Oui, quoi. Et c'était ce mot-là qui tournait en boucle dans ma tête sur la reconnexion avec les mémoires cagot, c'était secret, 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 secret. Donc, le lien de l'émotionnel avec ça... Secret. Je te l'ai dit aussi, secret, secret. Ah oui, secret. Ah, oui, c'est oui. Donc, quel est le secret des cagots? À retrouver. Hein? Mais c'est pas fini. Parce qu'il y a quand même cette histoire de trois. La patte d'oie, oui. La patte d'oie. Et puis ce matin, on en parlait, quoi, avec les reptiliens aussi, qui sont à digigrades. Oui. Et que nous, on nous. Enfin, les humains, ben nous, hein, moi aussi d'ailleurs, on nous a rajouté des. Oui. Enfin, ça c'est un patte d'oie. Oui. D'accord, c'est les trois doigts. Ces trois doigts se relient par le canal carpien au nerf radial. Hein. Les deux autres doigts, ils ont un nerf à part, qui se relie par le même canal carpien. Mais il y a deux trajets nerveux différents pour les trois premiers doigts, pour les deux premiers doigts. Là et là. Ces trois doigts, en fait, ils appartiennent
comment dire, aux digigrades. Hein. Et en fait, les gynamboules étaient digigrades. Donc, les premiers anakis de l'ère préhistorique, c'était digigrades. Donc, après, se sont rajoutés les deux doigts. Ça, c'est à partir des gynamboules quand ils sont devenus humains, si tu veux. Oui. Donc, ils ont rajouté, en fait, c'est génétique, c'est des transformations génétiques. Mm-hmm. Génétiques, des modifications génétiques qui ont rajouté deux doigts aux trois doigts des digigrades d'origine. Donc, ça veut dire qu'en fait, une espèce de trois, de pas de doigts, auxquels ont été rajoutés les deux doigts. Donc, pour l'instant, je suis à comprendre quel est le lien entre les pas de doigts, les pattes de reptiliens, si tu veux, et les pattes humaines. Enfin, les mains humaines, mmh. les pieds humains, quoi. Donc, il y a un lien que je n'ai pas encore réussi à découvrir. Mmh. Mais je suis en train, je suis en recherche de ça, tu vois. Et je sais que, sur le plan, préhistorique, certains reptiliens étaient des oiseaux, mmh. et certains oiseaux étaient des reptiles. Donc, on peut retransposer dans l'histoire de Sumer, où certains êtres étaient des hommes oiseaux, d'autres êtres étaient des hommes reptiliens, tu vois, et d'autres étaient des hommes dauphins, des hommes poissons, etc. Mmh. En fait, il y a différentes branches génétiques qui se sont emmêlées déjà à cette époque-là, qui ont créé soit des êtres des pieds palmiers, des pattes, en fait, des pieds palmiers à cinq doigts, ou des pieds palmiers à trois doigts, mais en fait, le reste du corps avait changé aussi. Pardon. Le reste du corps, c'est-à-dire. En fait, le reste du corps humain, ce n'est qu'une onde de forme dans l'univers, si tu veux. L'onde de forme primordiale des êtres de troisième et quatrième dimension, c'est la forme humanoïde. C'est-à-dire avec deux bras, deux pieds et un corps. En fait, cette forme, elle est adaptée à la troisième dimension. Troisième et quatrième dimension. Mm. Donc ça veut bien dire que la génétique, c'est dans la génétique, je veux dire, que se trouve le secret. La génétique humaine, mmh. elle est composée de différentes séquences génétiques qui, se recomposant entre elles-mêmes, créent nos modifications génétiques. Mmh. Comment ? Donc, si on reprend l'histoire des cagots, parce que j'aimerais revenir en arrière, l'histoire des cagots, à une certaine époque, ils n'étaient pas cagots avec des pattes de doigts. C'était peut-être, donc je suppose que pour moi c'était des soukals, des hommes oiseaux. Tu vois, les hommes oiseaux, c'est l'époque de Sumer, donc ces hommes oiseaux existaient. Comme existaient les amgals, donc ce sont les hommes poissons, ou les dauphins, delphinidés, ou les batraciens, c'est la même famille. Ou alors existaient les reptiliens, donc la plupart de nos. Oui, c'est sur notre ligne temporelle. De nos prédateurs sont reptiliens. La plupart des prédateurs humains sont reptiliens. Mais les amgals, les soukals, ou par exemple les nungals, ce n'étaient pas des prédateurs humains. Ils ne sont toujours pas prédateurs. Mm. Certaines de ces familles font partie des planificateurs, tu vois. Mm. Voilà, qui ont ensemencé l'humanité, si tu veux. Donc maintenant, ma théorie, en fait, là, c'est que je cherche hein, pour trouver le lien entre l'humanité actuelle, ou plutôt entre les cagous et les soukals, c'est-à-dire qu'il y a quelque part un lien. Mmh. Et je pense qu'il faut que je retourne à capter quelque chose à Rennes-les-Bains, parce que Rennes-les-Bains, c'est dans une cité, je viens d'avoir la réponse, c'est dans une cité lémurienne. Mmh. En fait, c'est-à-dire une ancienne cité lémurienne où j'ai trouvé la gravure à la fois d'un nungal et d'un soukal. Oui. Tu vois, c'était pas à l'Atlantide. Déjà, au moment de l'Atlantide, il y a eu cette séparation. Et en fait, les soukals sont des êtres qui ont vécu ou qui existaient à l'époque de la Lémurie. Donc, c'est là-bas qu'il faut que je cherche. C'est pas après l'Atlantide. Enfin, il faut que je trouve avant l'Atlantide. Pour l'origine des cagots. Pour l'origine des cagots. C'est-à-dire que ce sera avant l'Atlantide. Peut-être, c'est-à-dire qu'on peut avoir vécu l'Atlantide et auparavant avoir vécu la Lémurie. Oui, de toute façon. Ah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, ce sont des cycles qui se reproduisent. Mais sur le temps linéaire que tel décompose le cerveau humain, la Lémurie, elle a eu lieu avant l'Atlantique. C'est la civilisation avant l'Atlantide. Mmh. Tu comprends ? Et cette civilisation, c'est de là où partent les cagous, c'est-à-dire où les hommes oiseaux, donc les soukals.
Donc il y a quelque part un lien, enfin il est déjà là ce lien, c'est-à-dire que les cagots ont déjà existé avant l'Atlantide. Ils ont commencé déjà à faire partie, donc ils ont été survivants peut-être de l'Émerie, ils sont allés en Atlantide, etc. Donc nos lignées, et en fait ça confirme ce que je dis, nos lignées propres à nous, les lignées des cagots, sont des lignées lémuriennes, tu vois, qui ont survécu déjà en Atlantide et qui ont survécu encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que Fulcani a dit la fameuse phrase qui est. J'ai plus compris. Qui est la vie trouve refuge en un seul endroit. En un seul et même lieu. Et même lieu. C'est-à-dire, en fait, la vie, ce n'est pas la vie qu'on trouve aujourd'hui autour de nous. Ouais. La vie, elle est éternelle. Oui, la vie. C'est-à-dire qu'on retrouve nos mémoires à travers nos mémoires éternelles. C'est-à-dire que notre âme, elle est éternelle. Mais notre âme, elle peut se rappeler de tout. Ou plutôt, notre âme se rappelle de tout. Mais pour que l'humain puisse se rappeler de tout, il faut qu'il fasse le travail pour se rappeler de tout. Mmh. Et l'humain, tant qu'il ne cherche pas, il ne peut pas retrouver ses mémoires. Mmh. Tu comprends ? Donc aujourd'hui, on est en train de contacter à la fois la mémoire atlante, la mémoire lémurienne, etc. On peut aller très loin comme ça. Peut-être qu'on va retrouver d'autres mémoires, je n'en sais rien. Ben, on ira où là, nous les dons. Du coup, Général, tu as écarté, parce que bon, il y a quelques jours, tout ça, ou même quelques temps, lorsque vous m'avez envoyé un mail. Tu disais que les cagots donc avaient des origines afghanes. Oui, probablement. Oui. Voilà. Afghanes. Et voilà, c'est ça que je pensais. Et tu pensais aux delphinidés. Oui. Voilà. Oui. Et maintenant tu as écarté. Maintenant je crois. En fait, c'est pour ça que je dis. En fait, il y a un lien entre les afghanes et les soukals. Pour l'instant, je ne sais pas, mais qu'on va trouver quelque part, parce que je sais que les soukals, donc les hommes oiseaux. Ils ont existé à l'époque de Sumer, ou enfin pré-Sumérien, oui. Si tu veux, c'est proto-Sumérien, donc c'était avant. Et les Afghans, c'était des proto-Sumériens aussi qui existaient avant. Mais toutes les deux peuplades, ils ont survécu, en fait, ils ont vécu de l'Atlantide, tu comprends? Ils ont leur cycle de vie a traversé l'Atlantide, si tu veux, les deux peuplades. Mais les deux peuplades, ils se sont mélangés déjà pendant l'Atlantide, pendant Sumer et après l'Atlantique. Je ne sais pas exactement quand, mais on ne peut même pas savoir. Oui, en réalité, il y a des mélanges entre Afghans et Soukal. Tu comprends ? Donc ça fait des hybrides. Ça fait des hybrides entre hommes oiseaux et hommes dauphins. D'accord. Et même entre humanoïdes dauphins et humanoïdes Soukal. Donc forcément, si on retrouve, on sait que la génétique est porteuse de ces mémoires, ben forcément, et quand on marie deux génétiques Afghans et Nungal, ou de génétique afghane et soukal, ça pourrait donner des pattes d'oie avec des nageoires de poisson, en fait, ça peut faire un mélange. En fait, on retrouve dans le milieu animal, l'ornithorynque, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de canard mammifère avec des pattes d'oie, si tu veux. Donc, il y a déjà eu, on appelle ça des chimères, si tu veux. Ce sont des spécimens qui sont pas très courants, si tu veux, mais ce qui existe, et en fait la génétique occulte, parce qu'il y a des chercheurs en occultisme qui font de la génétique, qui ont déjà créé des hommes avec des têtes d'humains, ou des hommes avec des têtes de cochons, ou des cochons avec des jambes d'humains, enfin ils ont créé des chimères, tu comprends? Les chimères, ça existe, c'est pas une invention. Voilà. Mais bon, c'est-à-dire que la nature crée en fait des modifications hybrides de cette manière. Oui, naturellement. Naturellement. Ouais. Donc les cagots, peut-être qu'ils ont été, comment dire, hybridés à un moment donné, mais naturellement, après la chute de la Lémurie pour aller en Atlantide, tu vois. En fait, en Atlantide, c'était peut-être courant en Atlantide qu'il y a des gens qui avaient des pattes pavées, les autres avaient des pieds plats, ou je ne sais pas quoi. Hein. Mais dans l'humanité moderne, ce n'est plus courant parce que c'était tabou. Parce qu'en fait, il y avait toujours une ségrégation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ségrégationnisme entre les juifs, les arabes, etc. N'importe. On trouve toujours des prétextes pour être différent de l'autre. Tu comprends? Alors que la différence, c'est notre richesse. Tu comprends? C'est le problème. Oui. En fait, cette différence ne vient que du prédateur, enfin du prédateur reptilien. Donc, des faux créateurs, si tu veux. Voilà. Parce qu'eux, ils veulent avoir la même mise sur l'humanité. Mais tant que nous, on n'accepte pas nos propres différences, qui en réalité sont nos propres complémentarités, on ne peut pas aller plus loin. Et c'est ce que refusent la plupart des gens. Ils n'arrivent pas de comprendre que la différence
leur différence avec celui de l'autre, d'autrui, si tu veux, bah, ça fait leur richesse. Oui, ça fait la complémentarité. Les gens ont peur de la différence par rapport aux autres. La preuve en est, hier, par exemple, après la visite, je me rends compte que quand on est allé, enfin, on n'a pas visité le musée, on est resté à l'entrée du musée des Cagots, enfin, du prétendu musée des Cagots, donc à Liskun. Et on était quatre en train de discuter avec le gars qui était à l'accueil, le réceptionniste. Et David, lui, il était de son côté. Alors, à première vue, quelqu'un qui regardait ça, il aurait pu se dire, ah ben tiens, David, il s'en fout, tu vois. Non, David, il regardait ses informations. Il a trouvé ses informations et nous a donné une lecture qui était vachement intéressante. Ah oui, oui. Et vachement, tu as apporté vraiment ta pierre à l'édifice, tu vois. C'est le cas de le dire. Ouais. Pour toi, en tout cas, oui. Apparemment, toi, ça t'a touché. Ouais. Parce qu'il avait, lui, à cette sensibilité-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué à parler, parce que je ne m'a pas semblé que... Enfin, voilà, c'est surtout parce que toi, j'ai senti que ça te touchait. Voilà, la construction, l'aspect artistique. Et j'en ai profité pour une fois que quelqu'un arrivait à m'écouter. Non, mais je te trouve passionnant, David. Oui, oui, alors merci. je recherche dans la vie. Ce matin, je suis donc allée voir il a un site internet, le gars qui a fondé le musée, les deux musées d'ailleurs, celui d'Aliskun et celui près de Bilbao, qui se trouve dans la province d'Alava, et non pas de Biscaye, mais à peu près à 20 km de Bilbao. Voilà. Et en fait, effectivement, il a senti, David, parce que dans ma tête, cet homme-là, il a vu un restaurant, il était cuistot, et puis il a écouté son âme, et tout à coup, bon, il a perpétué l'art de ses ancêtres, la sculpture, et il avait aussi l'art de la poésie. Et David a dit, ah non, mais cet homme, selon lui, il lui semblait qu'il avait des connaissances en histoire de l'art. Et consciente, pas inconsciente, consciente. Oui, bah, enfin bon, je... Oui, enfin, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect conscient et inconscient. Bon, non, c'est tout mon vocabulaire. C'est un peu un vocabulaire intellectuel, mais en fait, dans lequel... qu'est-ce que je veux dire? C'est que, bon, moi, j'ai un ressenti aussi, malgré tout. Et voilà. Bon, il y a un langage conscient. Enfin, dans le langage, il y a des parties conscientes et des parties inconscientes. Bon, je veux pas... Enfin, tout ça pour dire prendre la tête avec tout ça, quoi. Mais voilà, bon, moi j'ai ma façon de voir. En miroir avec ma blessure de rejet en ce moment là. En fait, ça veut dire pour bah, ouais, mais effectivement, comment dire, enfin, bon, je veux pas casser l'ambiance, moi. On s'en fout, on est là pour parler. De ce qui remonte, surtout, parce qu'en fait, c'est des mémoires qui se retrouvent. Oui, sans doute, ouais. Mais si tu veux... moi, si je parle tout le temps le langage, c'est peut-être parce que j'entends beaucoup de choses aussi, que mon propre langage est particulier, on va dire, puisqu'il y a un mélange de... peut-être de choses plus intellectuelles et puis en même temps plus poétiques. Et je sais que c'est vrai que quand on parle des cagots qui se sentent à l'écart, effectivement, avec cette forme de langage, je me sens à l'écart, notamment dans le groupe, depuis longtemps. Et Jemaël a eu la franchise que j'apprécie beaucoup chez lui, de le dire carrément, quoi, que en fait, ma façon de parler... Faut que j'aille toucher mon émotionnel, etc. Et puis peut-être qu'à partir de là, il me comprendra. Mais bon, ceci dit, aujourd'hui, moi, je suis dans une recherche d'autonomie. Et justement, par rapport à... en fait, dans la vie, en fait, il y a... Effectivement, on est tous différents. Enfin, moi, je parle beaucoup de ça aussi en ce moment, que la différence... Enfin, je pense qu'il y a un dialogue qui est possible sur les différences, et donc au-delà des oppositions. Après, ce que je ressens, c'est que... c'est qu'en fait, il y a des informations qui sont difficiles...
à exprimer. C'est peut-être pour ça que mon prédateur, il m'empêche de ouais, m'exprimer de clairement. Mais il y a aussi des informations qui sont... Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi une part de l'information, une certaine forme, qui ne veut pas être reçue. Alors, pourquoi je me retrouve dans cette position et pourquoi nous nous retrouvons dans cette position et pourquoi, bon, là, ça tombe sur... Enfin, ça tombe sur moi, entre guillemets. Mais ça pourrait tomber sur quelqu'un d'autre. Puisqu'on voit bien qu'en fait, la différence, elle est difficile à vivre. Et que, puisqu'on est dans cette histoire des cagots, on le voit très, très bien. Mm-hmm. Et en fait, ils ont une façon de s'exprimer, je dirais, qui est au-delà de... De l'intellect. Ouais, mais bon, moi j'utilise l'intellect aussi pour en parler, et en même temps j'essaie de parler de quelque chose qui n'est pas tel quel, mais aujourd'hui on peut. Je suis obligé je suis obligé de passer par l'intellect parce qu'on n'arrive pas encore à s'entendre, parce que justement, quelque part les différences font peur et tout ça, et dès qu'on sent peut-être une autre type de forme d'information, on se ferme à ça. En fait. Je crois que ça, justement, l'intérêt d'être en groupe, c'est d'apprendre à être attentif à ça. Ouais. Parce que, en fait, au départ, on n'est pas du tout doués pour ça. Hein. Non. Les uns les autres. Ah, ouais. Et c'est vraiment... Attentif à quoi? Attends, on n'est pas doués. Dès lors que l'autre, il fonctionne différemment de toi, hein, finalement. Mmh. Et oui, sa oui. sensibilité, son mode d'expression, ou tout simplement ses centres d'intérêt ou quoi, tu vois, est différent. On a tendance à un moment donné à fermer les écoutilles. Mmh. Naturellement, on est programmé pour rejeter la différence. Ouais, voilà, ouais. Oui, voilà. Donc, oui, d'accord, ça, je me comprends. Et en fait, moi, vraiment, un jour comme hier, et c'est pas le seul jour, mais vraiment hier, c'était flagrant, ça m'a vraiment, non pas appris à voir les choses en termes de complémentarité, mais à les observer, à les expérimenter. Mmh. L'avantage de la diversité, on se met ensemble, tu en as cinq qui sont différents, c'est bien plus riche et bien plus porteur que si les cinq sont identiques. Oui. Parce que chacun en va être sensible à... Identique, mais on va se trouve que... dans... enfin, au point de ressemblance. Voilà. Bah oui, c'est tout à fait ça. Alors ça va être comprenant. Voilà. C'est vrai tout que en étant conscient par moment, que bon, pour peu qu'on soit fatigué ou quoi, ça peut être un peu plus difficile. Voilà, c'est tout. Et tu le sens en ce moment. Mais tu sais, moi quand je nous vois tous, c'est, on en parlait tous les trois dans la voiture, on se disait c'est incroyable, hein, tous les cinq, ben, on est différents et ça s'assemble. Enfin, je sais pas quel terme tu as utilisé exactement. Complémentaire. Ah ouais, différent, complémentaire, et puis et on voit que ça s'associe super bien, quoi, parce que chacun est ce qu'il est et. Je sais pas, il y a quelque chose qui se fait, quoi. Mais, ouais. Bon, après, moi, je ressens, bon, c'est des blessures hein, aussi, hein, mais je ressens que y a une part de moi qui est, bah, que je n'accepte pas moi-même, sans doute aussi, hein, mais en même temps, comme plus je suis en train de l'accepter, plus aussi je pense qu'en face, il faut peut-être aussi... là, ça joue sur des attachements, parce que enfin, ce que je veux dire, c'est que chez vous, enfin, et aussi chez Hélène en particulier, d'accepter que je sois différent de vous, en fait. Enfin, et je me rends compte que des fois, alors évidemment, j'ai une façon d'exprimer qui est particulière, et il y a des choses à voir que moi, j'avais aussi à comprendre là-dedans. Donc, à dépasser dans la clarté de l'expression, le vocabulaire, enfin bon, on a parlé de ce genre de choses. Et après, je me suis aperçu que quand j'étais avec d'autres personnes, pas tout le monde, hein, évidemment, mais personne ne me comprenait. Et là, ça devenait plus fluide. Très, très fluide. Je ressens beaucoup ça avec toi. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je comprenais, en fait... aujourd'hui, que mon autonomie, elle vient de là. C'est d'accepter aussi qui je suis, ma différence, que peut-être les autres vont l'accepter ou pas. Mais il faut que déjà que moi, je fasse le truc. Ah oui, après, les autres ont le choix. Aujourd'hui, je sens qu'il y a une forme de résistance, mais qui n'est plus de mon ressort, quelque part. Enfin, peut-être que je me trompe pas. Sur le fait que
Et du coup, ça me, des fois, ça me bloque aussi. Enfin, je sais que là, je commence à parler d'un truc, d'un thème, peut-être qui n'est pas habituel. Disons qu'on va. Faudrait que je donne un exemple. Et, ouais, moi, je vais parler plus des, comment dire, des formes. Je trouve pas l'exemple concret. Là. De structure d'un bâtiment ou d'un truc comme ça. Ouais, des ondes de forme. Oui, voilà, des ondes de forme, des voilà. Enfin, on a compris. Ouais, je sais pas si vous avez compris. Non, mais quand t'abordes un sujet, moi, je suis pas forcément réceptive, et tu t'en pas écouté du fait que ça me... Enfin, bon, je te laisse. Ouais, j'aborde... Bah, c'est-à-dire que en fait... Il y a, moi je pense qu'il y a une forme, mais parce que moi aussi, en fait, de combat encore, en fait, pour, j'ai envie de dire ça comme ça, entre des approches, bon moi je vais regarder plus au niveau de, bon, en ce moment du langage, oui, dans l'architecture, en fait, voilà, il y a des formes, et pour moi, il y a des choses qui me parlent. Je m'intéresse aussi à la génétique, par exemple, mais, oui, mais moins domaine, ça, et moins ça, ouais. Aux histoires de race. Mais ça m'intéresse, si tu veux. C'est, et malgré que c'est la... En fait, dans ce groupe, ce que je sens, c'est des résonances de l'authenticité. Mmh. Et ben, quand je vais... en allant plus loin, je sens qu'il y a quelque chose encore... qui est de l'ordre d'une forme de conflit du coup qui me renvoie à mon manque de souplesse aussi, mais je sens qu'il y a en fait que les différentes façons d'observer les choses, en fait, elles ont du mal à se à communiquer entre elles. Et bon, alors oui, c'est dû de mon côté, je sais que c'est... Donc j'observe et tout ça, Hélène, on en parle. Tout oui, ça. C'est comme si chacun avait sa paire de lunettes et qu'on a du mal à échanger nos paires de lunettes. Ouais, voilà, merci. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est en fait, pour imaginer, mais en fait, ce que je ressens, alors pour ça que je me ressens, bah, c'est mon côté. Hein, j'ai souvent, mais je crois que peut-être ça vous parle, parle à beaucoup de monde ici, on pourra parler à beaucoup de monde peut-être qui nous écoute. C'est qu'en fait, on s'est toujours senti. Un peu comme le vilain canard, là où on était jusqu'à présent. Enfin, moi, c'est un peu ça, quoi, en fait. Dans nos familles, dans notre entourage et tout ça. Mm. Et là, ben, je continue à vivre la même chose. Mm. Ah oui. Parce qu'en gros, entre vous trois, par exemple, vous avez un langage commun, tu vois, pour reprendre le terme de langage. C'est, je le comprends quelque part. Et voilà. Bon, disons que j'ai un peu le sentiment que voilà, vous comprenez un peu moins bien. Donc c'est une blessure. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, mais je pense que c'est pas qu'une blessure, c'est que tu as ton langage et puis. Ouais. Non, mais en tout cas, il y a un conflit à la base. Ouais, mais c'est peut-être la non-acceptation de ce que chacun est. Tu vois, c'est ce qu'on parlait, quoi, de la différence en fait. Oui. C'est sûr que c'est plus facile quand on a la même paire de lunettes et qu'on dit oh, tu vois ce que je vois, non je vois pas, mais oui, mais je comprends entre guillemets, c'est toujours j'écoute ouais, c'est le vocabulaire que j'entends fait, beaucoup de choses aussi, tu vois, et puis ça c'est un peu comme dans le, vous savez, comme dans le film de Blueberry, en fait il montre le monde, c'est des ondes, mais elles ont chacune leur forme et elles se mêlent. Alors des fois on voit des serpents, tout ça, dans, dans les visites. Si vous avez vu ce film, en fait, où en fait il s'est basé sur vraiment des témoignages de visions, et il a fait des... Il a une approche assez objective, quoi, scientifique, si on veut, des visions chamaniques. Et donc on voit comment les âmes sont formées, ça fait comment... Enfin, un escargot un peu particulier qui tourne et tout, et comment toutes ces énergies elles s'emboîtent. Donc en fait elles peuvent s'emboîter, mais à un moment donné, effectivement, dans notre conscience, on peut les
On peut les séparer quoi, en quelque sorte. Sans trop choc, vos énergies sans trop choc, c'est tout. Ouais, ouais. Ah oui, parce que par exemple, on n'a pas tout à fait la même génétique. Et ça, c'est pas important. On n'a pas les mêmes énergies, c'est sûr. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, la même, par exemple, la même génétique, où on peut penser que c'est dû à la génétique. En fait, on va. Enfin, j'ai l'impression, moi, qu'il y a encore ces programmations de. Même si on est en train d'en sortir, hein, mais en fait, qui fonctionne encore, ou en fait, quelque part, soit parce qu'on imagine que c'est pas la même génétique, la même origine galactique ou quoi que ce soit, quelque part, on peut pas se mêler. Mais il y a quand même quelque chose de très très fort en nous, qui est au-delà, je saurais pas trop le nommer, mais qui sait qu'il y a un dialogue, qui est en train de s'installer, et qui fait que, parce que des fois, moi je trouve qu'il y a vraiment comme une. Effectivement, même avec Hélène, quoi, une grosse différence, quoi. Mmh. Et ben malgré tout, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, quoi. Ouais. Enfin, tu sais, David. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que. Toi et moi, pardon. Qu'est-ce que ça veut. Ouais. Pourquoi, quoi? Parce que, en fait, ça paraît tellement opposé. Et puis après, je me dis, ben non. C'est de la programmation, c'est une façon de voir les choses. C'est, moi, j'en suis porteur de cette programmation. Mais. Voilà. Mais justement, je soulève ce que tu dis parce que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on se connaît avec Genaël. Mmh. Et là, à l'heure actuelle, on vit des choses très très fortes. Mais on en parlait hier tous les trois dans le camion. Genaël va dire quelque chose, donc avec sa paire de lunettes. Et souvent, moi, je dis la même chose. Mais avec ma paire de lunettes, et on ne se comprend pas. Mmh. Et à tel point, David, des fois, quand mon prédateur est là, je me dis, mais attends, j'en ai marre, quoi, ça me saoule, quoi. Tu sais, donc il y a ce côté aussi qui me dit, ouais, t'es autonome, tu sais, la rébellion qui se, qui se manifeste en moi, qui dit, non, mais attends, je suis autonome, j'ai pas besoin de lui. Mmh. C'est vrai, mais c'est pas mon travail. Mon travail, c'est pas de me séparer de quelqu'un qui est différent de moi. Et en fait, je vois vraiment cette différence et c'est incroyable. Ce que tu dis, je comprends tout à fait parce que moi-même, je le vis avec Genaël, tous les deux, dans notre relation, où la différence, elle, on dirait qu'elle est amplifiée actuellement, mais à une puissance. Mmh. Et je suis obligée, parce que mon âme me l'impose, tu vois, je suis obligée d'outrepasser ça. J'ai pas le choix. Parce que comment contacter ma famille multidimensionnelle qui a des origines galactiques différentes, donc c'est-à-dire une génétique différente, si déjà je ne supporte pas Genaël. Mmh. Et lui aussi, je comprends qu'il ait du mal à me supporter parce que c'est pas rien d'être avec quelqu'un comme moi. Et en fait, je vois Hélène comme elle est. C'est pas rien d'être avec quelqu'un comme Hélène et d'être avec toi. C'est pas rien d'être avec quelqu'un comme toi. Non mais, tu comprends? Oui. Et en fait, ce truc que tu es en train de soulever, je pense que c'est vraiment ce qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle parce qu'alors, chez nous, actuellement, tu vois, je sais qu'il n'y a rien qui nous séparera. Rien. Mmh. Mon prédateur, il fait tout pour qu'il y ait une scission. En fait, ce n'est pas nos prédateurs, c'est la prédation en général. Ouais. Tout le corps, ils mettent le paquet pour que notre groupe ne marche pas. Et tout amplifié. Ouais. Parce que moi, franchement, je te le dis honnêtement, je sais qu'on ne voit pas avec la même paire de lunettes, mais je sais quand on se parle, on parle de la même chose. Mmh. Parce qu'on arrive toujours, grosso modo, aux mêmes conclusions. Mmh. Et mais pas avec le même langage, comme tu dis. Mmh. Mais je comprends ton langage. Et en fait, ben. Des fois, mon prédateur dit bon, allez, c'est bon, laisse tomber. Mais j'écoute pas, lui, parce que je sais qu'il séparait, divisait pour mieux régner. Mmh. Et je sais que même si des fois c'est hyper dur, et tu vois, là, je parle même pas toi, je parle Genaël et moi, tu vois bien, on est tout le temps 24 heures sur 24 ensemble. Il faut le vivre, ça aussi, tu vois. Mais c'est un choix qu'on a fait. Et cette différence, des fois, ben, c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Parce que dans cette incarnation de 3D, on a envie de vivre la légèreté, quoi. Et c'est comme la tentation, le matin. Oui. Qu'est-ce que je m'emmerde, moi, à faire un régime paléo, alors que là, mais je me paierais une super steak bonne frite avec une bonne bière bien fraîche. Il fait une canicule. Ouais, tu sais, on a envie, tu sais, de la simplicité. On en a marre de toujours dépasser. On a l'impression que nos vies, c'est des défis, quoi. C'est des challenges à chaque instant, quoi.
Et je pense que c'est ça, en fait, que tu es en train de parler. Ben, c'est un nouveau challenge. Que là, comme tu dis, ben, je sens qu'on est en train de dépasser quelque chose. Mais bon, faut qu'on en parle, quoi. Oui, c'était bien de mettre ça sur le tapis. Que tout d'un coup, ben, ça sort à travers moi, quoi, que je l'exprime. Oui. Donc, effectivement, je trouve que c'est important. Alors, je pense que c'est un lien avec l'histoire des cagots, parce qu'il y a beaucoup cette histoire. Ouais, c'est une nouvelle couche qu'on est en train de toucher. De ségrégation, quoi, en fait. Et particulièrement ici, peut-être. On a dû, sur ce lieu-là, avoir des trucs en commun de rassemblement. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Enfin, je veux pas demander une autorisation. Les cagots, ils avaient une manière de s'exprimer à travers l'art. Mais c'est une manière de s'exprimer qui ne devait pas être perçue par les autres. C'est-à-dire que j'avais pas fini tout à fait l'histoire. C'est elle qui m'a raconté, en fait, c'est un film qui explique à la fin du film, les cagots, ils ont offert un ouvrage en bois à un inquisiteur, si tu veux. Eh oui, ce serait intéressant qu'elle raconte l'histoire au passage. Je prends l'exemple de la que je capte ce que tu dis. Je ne suis pas du tout sûre de m'en souvenir et j'ai essayé de la rattraper là sur en entier. Oui, mais peut-être que ce souvenir, il est juste... Peut-être que j'ai sélectionné ce qui était juste. Oui, je viens de sélectionner. Hein. Donc, alors, excuse-moi pour le bruit. Il a été tourné en 2013 à l'endroit précis où on a fait notre visite hier, hein, donc dans le quartier de Brossaté à Riscoun. Et bon, donc c'est un film qui a... Qu'est-ce que tu veux ? Parce que si tu te mets là-bas, tu es derrière la caméra, on voit, mais on t'entend pas, on te voit. Ah ben d'accord, C'est intéressant si tu parles. Mais... Voilà, donc c'est un film qui s'appelle Stan, qui a été tourné en 2013, dans le village que l'on a visité hier, et plus spécifiquement dans le quartier d'Ankago. Alors, le but est de... Je crois faire savoir aux gens ce, grosso modo, ce qu'est un cagot et surtout par quoi ils sont passés, et notamment par l'Inquisition, comment l'Inquisition a pu réagir là-dedans. Alors, si mes souvenirs sont bons, je ne suis pas sûre qu'ils soient bons, mais bon, il me semble que ce que j'ai retenu est un petit peu cohérent quand même. À la demande d'une autorité de la région, l'inquisiteur vient mener une enquête sur les lieux, et on comprend assez vite que les autorités en question, ça les arrangerait fortement que l'inquisiteur condamne les cagots. Hein? Qui pensent comme eux, voilà, qu'on fasse tomber sur les cagots, bref, on veut qu'ils soient condamnés. Alors l'inquisiteur, quand il arrive, ben, il n'est même pas au courant de leur existence, il ne sait pas que ces gens existent, encore moins dans quelles conditions ils vivent ni rien. Et donc, il est amené à avoir des entretiens et avec plusieurs d'entre eux dans le cadre de son enquête inquisitoriale. Il cherche à savoir pas mal de choses sur place. Et ce qu'il découvre, je crois que ça dépasse son entendement. Et parce que les gens lui disent comment ils vivent. En termes d'atrocité humaine en Europe à cette période-là, donc on peut évaluer ce film... Peut-être 17e siècle, peut-être que ça se déroule au 17e siècle. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a eu beaucoup donc de... Je ne sais pas comment on appelle, j'ai oublié comment on appelle le rendez-vous, enfin la confrontation, ou je ne sais pas quoi, entre l'inquisiteur et l'interrogatoire, on va dire. Hein. On sent au fil du temps, cet inquisiteur qui est tellement étonné de ce qu'il entend, de ces gens qui vivent comme des animaux dans un servage total, parce qu'à l'époque c'était ça, dans un servage total, les maltraitances physiques, enfin tout ça c'est un monde qu'il découvre, et il découvre qu'en face de lui, il n'a pas des semi-animaux comme on lui a décrit, mais qu'il a des êtres humains qui le touchent profondément, et qu'il y a quelque chose, moi j'ai senti que quelque chose de très profond chez cet inquisiteur, il était touché, très profondément, par quelque chose de très profond par l'être humain qu'il avait en face. Et donc, il n'a prononcé aucune sentence telle que, contrairement à ce que les autorités attendaient. Voilà.
Alors, les cagots ont été conscients qu'ils sont passés, qu'ils ont eu chaud, quoi, parce que, allez, voilà, ils ont eu une chance phénoménale de tomber sur cet homme-là. Et puis cet homme-là, en revanche, eh bien, il semblerait qu'on n'ait pas apprécié sa position, hein, par rapport à ses conclusions. Évidemment. Voilà. Et donc... Il est devenu lui aussi un paria. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il a, bon, il a quitté le village, et là, une des scènes finales du film... Il quitte le village avec toute son escorte, parce qu'un inquisiteur, ça n'arrivait pas seul dans une commune, il y avait vraiment toute une escorte. Mmh. Et on voit que l'escorte donc, de l'inquisiteur est attaquée extrêmement violemment, hein, à tel point qu'on se demande s'il va s'en sortir vivant. Et je crois que j'ai sapé dans ma tête, je ne me souviens pas, je ne sais pas si ça est sorti vivant ou pas. Quoi qu'il en soit, je sais que les cagots s'étaient dit... Les cagots ne savaient pas que cet homme allait subir donc une attaque. Mmh. Et ils s'étaient dit, on va le retrouver sur la route pour lui offrir un cadeau. Mmh. Et le cadeau en question, c'était quoi? C'était un coffre sculpté, mais magnifiquement. Un coffre en bois magnifique. Et ce coffre en bois magnifique, ils n'ont pas pu le remettre à l'inquisiteur. Mmh. C'était le remerciement. Voilà les cagots, leur façon de te remercier... c'est de te montrer ce qu'ils savent faire. Mm-hmm. Leur art, oui. Voilà, tu vois, c'est sculpté. Alors toi, effectivement, tu as eu une... Enfin, toi, tu as raconté ça à Genel, qui t'a donné son information, et quand tu m'as raconté ça... Tu as eu la même réaction. Ben, j'ai eu la même information que Genel, alors qu'on ne s'est même pas consulté de ce qu'à chez nous, ça a réveillé tout ça. C'est-à-dire que lui, en fait, il représentait l'autorité religieuse, et il a eu une oreille, une attitude, on va dire... totalement inédite et totalement marginale, hein, dans le cadre de son institution religieuse. Et donc, ils lui ont confié... Et là, je te laisse la parole, Général. Hein? Et donc, en fait, si tu veux, je capte ce qui se passe chez lui. Mm-hmm, moi aussi. Il est en train de toucher les mémoires, en fait, de quelque chose que je vais raconter. Ce que je veux dire, les cagots, bon, maintenant, bien sûr, ils existent dans notre génétique. Tu comprends? La génétique est importante parce que on est touché par notre génétique. Les cagots existent encore. Enfin, les cagots, les chrétiens, les cathares, tout ça, c'est nos mémoires génétiques. Il y a une mémoire génétique qui est en train de te réveiller chez toi. Mmh. Et cette mémoire, c'est quoi? C'est-à-dire l'art. C'est-à-dire que tu étais dans le musée, tu as vu l'art, tu as vu en fait certaines œuvres qui t'ont touché. Mais en fait, on t'a laissé faire parce qu'on a vu que ça te touche. C'est pas l'art qui te touche. C'est ce que cache l'art, tu comprends? L'art, c'est ta façon, en fait, enfin, à mon avis, c'est ta façon d'être touché émotionnellement. Parce que l'art va te donner des mémoires, parce qu'au-delà de l'art, l'art n'est qu'un nuage soumis, au-delà de l'art, il y a un message à percevoir qui passe par l'art. Tu vois le truc? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. En fait, les cabots... Mais si tu veux, en fait, pourquoi encore tu sépares les choses, quoi? C'est-à-dire, l'art, c'est tout est... Si je peux terminer, je t'explique. Ouais, ouais. Parce que c'est l'art, je dis, c'est un nuage de fumée. L'art, c'est... Tout le monde a un art en soi. Les cagots, ils ont un art particulier qui te laisse te faire transmettre un message au-delà de l'art, mais à travers l'art. Tu comprends? C'est-à-dire que, je me permets de dire ça, d'après ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de monter en toi émotionnellement, parce que tu es en train de contacter des mémoires qui vont au-delà de l'art. C'est encore plus fort. Dont l'art est vecteur. Ouais. Dont l'art est vecteur. Mmh. Quand tu as vu tes sculptures hier, oui. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en toi. Si tu veux, je peux continuer, parce que en fait, il faut que tu comprennes jusqu'au bout. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir de ça. Ah, mais là, je pense qu'il est dans une impasse, faut qu'il s'exprime. Oui, oui, c'est arrivé. Non, mais c'est... En fait, c'est... tout va ensemble. Ah ben oui, quand tout va ensemble. Il n'est pas en train de séparer, Genel, en fait. Oui. Il dit qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose... Tu vois, il y a un nuage de fumée. En fait, tout le langage est symbolique. Il y en a plus. Arriver à vraiment se comprendre que comme ça. Et donc, si on sépare, ça n'a plus de vie. Personne ne sépare le langage. Oui, mais en fait, l'art,
On s'en fout du mot, c'est des symboles. En fait, l'art, si tu veux, c'est l'expression, c'est le langage de la vie. Mmh. Donc en fait, tu ne peux pas dire il y a le message. Et l'art, à côté, tu vois, en fait, tout le monde fait, effectivement fait de l'art, enfin, potentiellement, enfin, tu vois, on peut, c'est que, parce que, en fait, on ne s'exprime au fond qu'au travers de l'art, de quelque chose de symbolique, d'une vraie information qui est capable de faire bouger, de faire aller les choses ensemble et de, tu vois, pas de laisser, enfin, le contraire de les séparer, si on veut. Et c'est justement ça qui est la souffrance. Il y en a qui disent, bon, ben voilà, il y a l'art, il y a ça, il y a le message, et toi, bon, déjà, c'est pas le bon message, ça, c'est pas le bon art, tu vois, enfin, je sais pas si c'est clair ce que non, je veux dire. Non, c'est pas clair, parce que, c'est-à-dire, si tu veux, je vais te dire un truc. C'est en séparant les choses, ton prédateur, il t'était parce que tu comprends pas ce que je dis. Je dis... Parce que tu vois à travers ta blessure de séparation. Tu es en train de toucher ta blessure, donc tu ne peux pas entendre ce qu'on t'a dit. En fait, moi, j'arrête pas de dire, c'est comme ça en venait moi. J'arrête pas de lui dire la même chose. On parle de la même chose, elle ne veut pas l'entendre, parce que moi, je parle de la même chose d'elle, mais elle le voit avec ses lunettes. Toi, tu vois la même chose que moi avec tes lunettes. Donc, moi, je capte ce qui se passe, j'ai essayé de le décrire, mais. Mais ça ne peut pas être entendu. Ça peut pas être entendu parce que c'est interprété. C'est interprété. Parce qu'il y a l'émotion qui est touchée. Parce qu'il est émotionnellement touché. Voilà. En fait, c'est important de voir. Je reviens au cerveau parce que pourquoi ça te touche? Parce que tu as cette mémoire qui est en train de se réveiller. Ouais. En fait, cette mémoire, elle est tellement enfouie et profonde. Vive, ouais, c'est une profonde, mais mise à vif actuellement, qu'elle est en train de ressortir. Mm. Donc, pour ça, un simple, pour te faire comprendre, puisque tu es un mec, on ne peut pas passer par l'émotionnel de Sandrine. Ah ouais. Parce qu'en fait, alors, il faut que, pour contacter ses mémoires, il faut que tu passes par l'intellect. Mais toi aussi, tu passes par l'émotionnel. Mais il faut quand même les deux. Donc, si je reprends ce que je capte, mais de façon intuitive, ça a un lien avec le transdimensionnel et l'intuitive. Donc, ce que je capte, c'est que toi, tu es vraiment touché par l'art. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est une chose. Parce que les cagots avaient l'art de faire passer le message par l'art. C'était vraiment une grosse capacité. Alors, hein. Pourquoi est-ce que j'ai fait raconter l'histoire du coffre en bois? Tu comprends? Pourquoi est-ce que je vais dit de raconter parce que l'histoire non. En fait, je ne sais pas trop. Ben voilà. Mais en fait, je sais que là-bas, il y avait des coffres. Dans le musée. Oui. Il y avait des coffres en bois, David, tu dis, dans le musée. Ouais, ouais, c'est ce qu'il dit, ouais. Mais oui. Après. C'est une fausse mémoire. Hein. C'est juste une mémoire qui sort. Et je vais essayer de t'expliquer si tu veux. Parce que tu vas comprendre. Tu comprends? Je vais aller plus loin parce que ça va être faux. Hein. Ah, c'est dans cette mémoire. Je vais essayer d'y aller. Dans ces mémoires, il y a des mémoires de cabot. C'est-à-dire que le travailleur du bois, en fait, de l'artiste du bois. Quand on est venu une maison, je reprends juste l'histoire de la cathédrale d'Auch. Tu vas voir dans le cœur de la cathédrale d'Auch, ce sont des œuvres, des sculptures qui ont été faites par les cabots. Tu vois. En fait, ces sculptures représentent tout le chemin alchimique que l'humain doit faire pour arriver à une certaine œuvre, une certaine réalisation de soi. Le chemin alchimique, les cagots le connaissaient. Il l'a exprimé à travers les sculptures. Mais ce n'est pas les sculptures elles-mêmes qui étaient le chemin alchimique. C'est la même chose qu'un alchimiste qui fait son cheminement à travers... qui veut essayer de te faire sa pierre philosophale en transformant... L'antimoine. L'antimoine en or, tu comprends? En fait, l'antimoine mélangé au plomb, ça peut devenir de l'or ou du plomb. Tu veux. C'est le message, enfin, c'est même pas un message, c'est un principe alchimique qui est en train de sortir chez lui. C'est même un principe alchimique que chez les alchimistes qui est en train de se révéler chez David
par rapport au sculpteur de bois, au charpentier. Yeshua, c'était un charpentier. Tu comprends? Le travail du bois. Le Joseph d'Arimathée, c'était un charpentier. Travail du bois. Les cargos, c'était des charpentiers, des travailleurs du bois. Ils ont fait des œuvres incroyables par rapport au bois. Toi, tu es en train de te réveiller des mémoires par rapport à ce que tu as vu hier. Donc, je ne sais pas très bien ce que tu as vu, mais je pense que c'est une histoire de coffre. En fait, des histoires d'ombre, de forme qui te rappellent à tes choses en toi, que tu as sculpté. À tes propres mémoires. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le film? Les cargos, ils ont offert un coffre en bois à cet inquisiteur en guise de cadeau, si tu veux. Ouais. En fait, ce n'est pas un cadeau. C'est de reconnaissance. Voilà. Ouais. Il faut aller voir au-delà du nuage. C'est un nuage fumé, le cadeau. Tu vois, c'est-à-dire que le film, on voit qu'il reçoit un cadeau. Mais ce n'est pas un cadeau. Transmet une énergie. Non. C'est le même principe qu'une énergie d'alliance. C'est-à-dire que les cargos, ils avaient la connaissance d'ouvrir des portes dimensionnelles, ou plutôt des fenêtres dimensionnelles, pour que l'humain, certains humains, puissent s'affranchir pour arriver dans un autre monde. C'est ce qu'ont fait les chrétiens à l'époque, quand ils ont atterri dans la vallée du Rhône, tu comprends? Ils sont arrivés dans la vallée du Rhône parce qu'ils ont franchi une fenêtre dimensionnelle, ils sont tombés dans cette dimension-là, dans la vallée du Rhône, donc les gens ils ont eu peur, ils ont cloué sur le bois, ils ont fait dériver le long du Rhône, ok. Mais en fait, le truc, c'est de dire, ils avaient une connaissance qui était véhiculée à travers l'art, le travail du bois, et des fois aussi l'architecture. C'est pour ça que tu es architecte, tout ça, ça remonte actuellement, tu comprends? Et en fait, ça remonte très fort, c'est clair, tu connecté à tes mémoires, forcément tu vas pleurer parce que tu sais pas pourquoi tu pleures, tu comprends? Je sais pas, en fait, il faut chercher à ce moment là oui, tu comprends? Il faut que ça sorte et je dis tout le temps à Hélène ou à truc, parce que c'est la première fois que je dois pleurer à ce point. Hier, lorsque tu as parlé de ce que du message, ou ouais, une espèce de message finalement que tu as lu dans cet être composé et tout, là c'est, pour moi c'est pas l'intello qui parlait, tu vois, parce que parfois tu as un langage voilà, très structuré, très intello, etc., etc. Et moi là j'ai été vachement touchée, c'est dans mon cœur que j'étais touchée, parce que j'ai senti que tu en étais peut-être pas conscient, mais que tu avais vraiment mal. Je l'ai senti à ce moment là tu vois, et là, tu étais touchant. Tu étais vraiment un être humain dans toute sa splendeur, tout à coup, tu vois, David. C'était vachement beau, sans rire. Et moi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, c'est dans le temps. Et au-delà du temps, et en fait c'est tout le temps là après nous qu'on fait. Donc on est tous comme ça, en fait on est tous dans cette souffrance, moi c'est ce que je ressens, c'est vrai que en fait t'as raison, et on le cache plus ou moins, quoi, en fait. On ne veut pas aller le toucher. Le contacter, mais oui, c'est tellement en fait, douloureux. C'est effectivement, c'est, tu dis j'avais mal. En fait, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, ce que tu as ressenti, mais en fait c'est tout le temps comme ça. Ouais. Et je pense que c'est tout le temps comme ça pour beaucoup de monde. Quoi. Et en fait, on essaye de tenir la place qu'on fait, si on veut. Et effectivement, ça demande d'aller vers une connaissance, de passer par les émotions, tout ça. C'est pas facile, quoi. Et après, parce que, en fait, effectivement, c'est ce que tu dis là, ça me fait penser que des fois, on montre, on arrive à le toucher, cette souffrance, on arrive à l'accepter, disons, et à le montrer, mais en fait, on est pris dans toutes les dimensions, quoi, en fait. Ah oui, oui, ben oui, ben oui, parce que tout est en même temps. Ouais. Et voilà. Moi, je me rends compte dans tout ce qui se passe que
chacun, inconsciemment, est guidé à avoir tel ou tel comportement. Parce qu'en fait, je revois hier, quand tu as voulu exprimer le truc, alors qu'on s'apprêtait à partir et que ça faisait 2 heures qu'on était au même endroit, quoi. Le fait que moi j'ai eu cette réaction où je ne m'attendais pas, en fait, que tu allais exprimer quelque chose de profond. Et qu'on parlait électroménager, n'est-ce pas? Oui, 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 et que nous on parlait électroménager, je savais qu'on allait partir, donc c'était un sujet complètement léger, voilà. Mais sur le coup, ben, chez toi aussi, ça s'est certainement réveillé, c'est du rejet, des trucs comme ça, quoi. Et en fait, ce que je vois aujourd'hui, ben, c'est que ces choses-là, si elle ne s'était pas passée comme ça, ben aujourd'hui, moi, je vois un David, tu vois, qui passe même plus là par l'intellect, c'est l'émotionnel. Mmh. C'est-à-dire que ça a été le plus, et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour justement libérer le programme qui n'est pas là. Mmh. Il est là, dans le programme. Et ce qui lâche ça, c'est ça, quoi. Mmh. Quand ça pleure, c'est que c'est ça qui se déprogramme. Parce que quand on intellectualise, okay, quand on intellectualise quelque chose, ben c'est le mental qui parle. Tu vois, moi, il y a des choses. Chez Naël, combien de fois, là, avant de venir ici, il me dit, oui, t'as peur de contacter tes mémoires cargo. J'entends ce qu'il dit. Mais quand il me dit ça, j'ai qu'une envie, c'est, allez, tu sais, ah, tu me saoules, tu vois. C'est donc le rejet, quoi. Et je le sais que dans ce qu'il dit, il y a une part de vérité. Il y a même une grosse part de vérité. Mais mon prédateur, il n'a pas envie de l'entendre, quoi. Et soit j'ai dit, bon, allez, ça va, tu sais. Mais presque, j'aime bien, mais c'est bon, mais me saoule pas avec ça, quoi. Parce que là, je n'ai pas envie d'entendre ça. Je ne suis pas dans ce moment-là, quoi. Et après coup, tout à l'heure, on était assez beau, mais je ne m'attendais pas à contacter ces émotions, quoi. Mm. Et là, je me dis, mais purée, mais c'est ça que j'avais. Et c'est ça que je voyais tout chez toi, cette peur et tout. Aujourd'hui, je te vois, mais pff, je rigole, tu vois, ça me fait rire. La peur que j'ai pu ressentir, elle est complètement évaporée, quoi. Parce que j'avais. Et Génaël m'avait dit, il me dit, oui, mais Marie-Jeanne, elle te fait peur parce que tu as peur de conscientiser quelque chose qu'elle va te pointer du doigt et que tu es en train de pressentir. Et là, je suis là. Je sais qu'il dit, c'est juste ce qu'il dit. Mais il y a l'autre partie de moi qui dit, allez, ça va, c'est, arrête de me saouler, tu me saoules avec tes machins, là. Parce qu'il y a une part de moi qui n'a pas envie, qui a envie d'être toujours dans cette légèreté et qui n'a pas envie de contacter cette profondeur-là qui est là, qui va être touchée. Et c'est un truc qui est tellement bien dissimulé qu'on n'a pas envie d'aller déterrer les morts. Qu'est-ce qu'elle nous a montré, la mamie, quand on est allé lui causer hier? Moi, le cagot, oh mais non, moi, j'ai jamais vu de séparation. Hein. Et puis moi, je ne suis pas d'ici, alors que ça fait 50 ans qu'elle habite là. Non, voilà. C'était l'exemple parfait de quelqu'un qui nous roulait dans la farine. Et qui s'en protégeait. Mais c'était bien qu'on voit ça. Oui, parce que justement, ça montre cette part de nous. Non. Qui s'entretient dans son propre déni. Oui. Ne déterrons pas les morts. Hein? Laissons-les là où ils sont. Hein? Et puis, faites pas chier et continuez votre balade. Hein? Et en même temps, elle était dans une forme de résistance. Bon, il y a aussi le tempérament, etc. d'ici qui joue, mais pas seulement. C'était, tu sais, la femme forte. Moi, je l'avais en face, elle me défiait du regard. Eh oui. Et à un moment donné, je sais pas, bon, donc je lui ai demandé quel âge elle avait, ce qui est totalement convenant quand on a une personne de cet âge-là. Et bon, je me suis exprimée poliment, voyant, etc. Donc, voilà, c'est passé comme une lettre à la poste, elle me dit, devine. Alors, je dis 80. Et là, bon, j'ai senti qu'elle était un peu sciée quand même, quoi. Et elle me dit, mais bref, je lui dis, mais vous l'avez fait, les 80? Oui, 81. Et comme... je sentais qu'il y avait cette résistance et qu'elle se jouait de nous. Et elle me dit, et pourquoi tu m'as dit 80? Je dis, parce que je suis sorcière. Pourquoi tu n'as pas dit sa date de naissance? Si t'es sorcière, dis-moi ça. Et là, tu vois, je jouais avant tour, si tu veux. C'était comme un défi, quoi, les yeux dans les yeux. Avant de te foutre notre gueule, ok, on va y aller, quoi. Non, mais c'est marrant. Oui. Non, mais donc voilà. On voit toutes ces facettes à l'extérieur de nous, parce que tout ça vit à l'intérieur. Tout ça. Et David, tout à l'heure, tu parlais de la difficulté dans le couple, justement, à être accepté avec tes différences, la difficulté avec nous quatre de te sentir accepté avec tes différences, et qu'avec l'extérieur, c'était plus fluide avec certaines personnes de l'extérieur, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un truc super important là, c'est le côté de l'intimité, de la vie proche.
Parce qu'en fait, c'est ça le truc de la prédation qui se manifeste hyper profondément quand on est dans la vie proche, quoi. Et du coup, il y a ce truc qui est hyper confrontant et que du coup, bah, il y a toutes les résistances qui remontent. Enfin, je vois chez moi quand je me sens en résistance par rapport à toi et par rapport à ton côté intellectuel et comment je peux sentir ça dans l'ensemble du groupe, effectivement, quoi. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on est amené à traverser ça, c'est ce côté d'intimité qui est hyper confrontante, quoi, à la fois dans le couple et à la fois dans la relation. Et c'est qu'on n'a pas le choix, quoi. Parce qu'on ne peut pas se séparer. Parce que se séparer, c'est comme dire j'abandonne le chemin, même si on se fait croire qu'on continue à cheminer, quoi. C'est une nouvelle embûche, quoi, en fait, à dépasser, quoi. Ouais. C'est vachement difficile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun fait son truc. Et puis, mais moi, si tu veux, c'est vrai que j'ai un truc à dépasser, quoi. C'est en train de se faire, voilà. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? C'est. En fait, qu'est-ce que tu disais, toi, Aline, par rapport à l'intimité? Moi, je parlais que c'est très confrontant, l'intimité, et que la prédation, elle se manifeste très, très, très fort. Plus on est proche, plus elle se manifeste super fort. Et que du coup, bah, c'est ce chemin-là qu'on a à faire ensemble. Et que c'est d'autant plus facile de partager, d'avoir, comment dire, d'un coup, une impression de symbiose avec quelqu'un à l'extérieur, parce qu'on ne voit pas toutes les facettes du prédateur, alors que là, on est... On a l'occasion d'avoir ça tout le temps. Quoi. Et au plus on avance et qu'on va découvrir quelque chose, au plus ça s'amplifie. Ouais. Au plus le prédateur, il te colle le voltage dessus. Parce que, non mais vous nous connaissez dans notre intimité avec Genelle, quoi. Enfin, on n'est pas... Nous, on ne se dispute pas. Par contre, quand le prédateur, il est là, mais on ne s'entend pas. Du coup, on ne se comprend pas. On ne parle pas du tout le même langage, David. Mais c'est... extrapoler, mais une puissance, mais j'ai dit, mais attends, mais jamais on a vécu ça à cette intensité, quoi. C'est démoniaque, hein. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment démoniaque. Et je pense que c'est ce qu'on vit. Et tu vois, par exemple, Hélène, elle, sa grosse blessure, c'était la séparation. On en parlait hier, j'ai dit, Hélène, sa grosse blessure, c'est la séparation. Nous, on le sait que ça répond à une blessure, mais on ne peut pas faire autrement que de répondre à ce champ vibratoire qui nous impose une barrière qu'on ne peut pas franchir. Et on est obligé d'être de continuer à cheminer. Et quand on se voit, on se dit les choses clairement, hein, on ne passe pas par quatre chemins, quoi, parce qu'on sait qu'on est capable de les accueillir. Et puis quand il y a une blessure qui est là, de toute façon, moi, je suis obligée de l'exprimer. Quand eux, ils ont capté des trucs, ils sont obligés de l'exprimer. Enfin, et tu sais, ce que je disais à Marie-Jeanne avant que vous arriviez, donc toi, tu ressentais, tu sais, la séparation, tout ça. Et je disais à Marie-Jeanne, il y a la petite sœur qui arrive. Tu vois? Et elle me dit, mais quoi, ta petite sœur? J'ai dit, non, il y a la petite sœur qui arrive. Et j'ai dit, ne t'inquiète pas. J'ai dit, là, Hélène, j'ai dit, je la connais. Elle est dans l'émotionnel. Et là, c'est vrai que moi, j'ai un truc à changer au niveau de l'émotionnel. Hein, comme on en a beaucoup parlé. C'est-à-dire, c'est plus un émotionnel qui me plombe. Tu vois, je pleure parce que j'ai l'émotion. Mais après... ben voilà, quoi, la vie continue, quoi. C'est une information qui m'est venue. T'arrives à capter le moment où ton prédateur il continue à te... Ben en fait, je le prends plus comme quelque chose qui me plombe, mais comme quelque chose qui m'amène à une évolution. Donc là, j'ai eu... Tu vois, l'exemple. À un moment, j'ai eu une montée de culpabilité quand on était rue de la Poissonnerie. J'ai pensé à mon père, à tous ces gens qui font partie de mon monde de troisième dimension. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients. Où j'ai dû bifurquer et vivre un peu plus en repli pour me retrouver moi, là, à un moment, j'ai eu un moment de culpabilité, comme si je m'étais séparée des gens que j'aime. Et à Genève, j'ai dit, mais moi, tu sais quoi, je m'en fiche, même s'ils ont une vision avec leurs lunettes de 3D, je les aime quand même. Et en fait, ce que j'ai eu, il m'est remonté une émotion de culpabilité
d'être comme si j'étais coupée de ces gens-là. Mais en fait, Genaël me dit, mais ça fait partie d'un processus. Il me dit, t'es pas coupée de ces gens-là. Mais à un moment, il a fallu que tu fasses des choix pour que toi, tu puisses retourner à l'intérieur de toi. Et que tu puisses faire le travail. Et j'ai dit, ben, tu vois, Genaël, ben, peu importe, tu vois, où est ma mère, où en est ma grand-mère, où en est ma sœur, où... ben, je les aime comme ils sont. Quoi. Et en fait, là, j'aurais pu aller dans une culpabilité, mais j'aurais pu être hyper mal. Voilà, c'est ça le truc. Et là, en fait, d'un coup, j'ai eu une gratitude, mais j'ai dit, ben, je suis émue de mon cheminement. Voilà, j'étais émue de mon cheminement. D'être. J'ai dit, ben là, tu vois, Genaël. Et j'ai dit, c'est pas pour autant que je prends le téléphone et dire à ma mère, oh maman, je t'aime. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est plus revus, mais je t'aime. C'est pas ça. C'est là, d'un coup, mon cœur, il s'est mis à rayonner, quoi. Il n'y avait même pas de mots. Et en fait, au lieu de me dire, ben, je vais dans la culpabilité, oh, tu t'en rends compte et tout, tout ce cheminement, les pauvres et tout. Ben non. Mais c'est ça. Parce qu'à un moment, j'ai été prise par ça. Et j'ai dit, ben, je pleure, je suis émue de ce que je vis, ben, de vivre ma vérité, quoi. Même si ça m'a, entre guillemets, séparée. Mais c'est ce qu'on croit. Visuellement, on croit que je suis séparée d'eux, mais mon cœur, il est branché. Tu vois, moi, j'étais rue de la rue du pêcheur. Eh, c'est ça, oui, rue du pêcheur. Rue du pêcheur. Eh ben voilà, ben, je pense à mon père, et j'ai un amour infini, et peu importe le chemin qu'il fait. Et à Genaël, j'ai dit, ben, tu sais quoi? Eh ben moi, mon prédateur, il va jouer sur ma culpabilité, me faisant croire que je me suis coupée des gens. Eh ben non, je ne me suis pas coupée des gens. Et vous savez pourquoi je ne me suis pas coupée des gens? Parce que je ne me suis pas coupée de mon chemin. Et voilà. Et c'est ça l'exemple que moi, je dois donner. J'ai dit, c'est si moi, le chemin, je ne le fais pas, comment veux-tu que les autres le fassent? Si moi, je ne suis pas un exemple, comment veux-tu qu'eux, ils puissent se dire, ah ouais, c'est une possibilité qui existe, ça. Ça peut dire qu'ils vont le faire, ils ne vont pas le faire. Et puis, peu importe, mon travail, c'est de donner l'exemple et de vibrer ma vérité, quoi, mon chemin. Alors, tout à l'heure, j'ai pleuré cette culpabilité et j'ai dit, ouais, elle était belle, cette culpabilité. En fait, d'un coup, quelque chose qui aurait pu me plomber, qui aurait pu me noyer dans la mer, eh bien, d'un coup, j'étais, mais... Et je pleurais au marché, en plein dans le marché, j'ai dit, ben, Genaël, je pleure, mais je m'en fous de ce qu'on voit. Mais en fait, c'était une joie, et pourtant, en même temps, je touchais une tristesse. Mais c'est la mort de monde et de croyances 3D, de vision 3D. D'une programmation. Ouais, ça meurt, quoi. Ouais. Et je me dis, ben ouais, ok. Et je me dis, ben, tu vois, j'avais une pensée pour ma mère. Cette femme à qui je ressemble aujourd'hui, qui a la même coupe de cheveux que moi, et qui m'a montré toute cette rébellion à moi, qui s'est défendue. Elle m'a montré tous ces trucs. Quand la coiffeuse m'a coupée comme ça, j'ai dit, oh non, c'est pas vrai. Je voyais ma mère. On a la même tête en plus. La même tête, la même coupe de cheveux, tout. Et là, j'ai dit, ben voilà, c'est ça que tu dois accepter, quoi. Accepte-le. Rien que de l'accepter, ben, c'est sa guérison au ciel. Parce que et on a le même ADN, on a le même ADN. Donc, tu vois, quand on se limite avec une paire de lunettes limitées et qu'on n'entend que la voix du prédateur qui croit qu'on nous divise, qu'on nous sépare, eh bien, tout ça, c'est le prédateur qui pense ça. Et l'essentiel, c'est de retrouver justement son essence. Et si le prix qu'on va qualifier avec la paire de lunettes 3D, le sacrifice, d'être coupé de la famille, ben moi je le vis le sacrifice. Oui. Parce que tout ça c'est une illusion. Moi j'aime mes parents, mais peu importe où ils en sont. Par contre, c'est sûr, je ne suis pas toutes les deux minutes au téléphone, je ne les appelle jamais. Je ne les appelle pas, je ne peux pas. Parce que de quel droit je vais interférer dans leur vie, d'un chemin qu'ils n'ont pas choisi, alors que moi j'ai tellement changé ma paire de lunettes que. Bien sûr que je peux parler avec eux, mais il faut qu'ils aient envie de communiquer avec moi. Il faut qu'ils aient envie. Tu vois, moi quand je discutais avec le papy, ben le papy, il avait 80 et quelques balais, il nous a dit qu'il avait 80 et quelques balais, et qu'il nous a transmis les informations des Égyptiens, des Bohémiens, tout ça. Moi, j'ai dit, mais vous vous rendez compte? J'ai dit, mais vous avez rendez-vous, vous êtes parti en avance. J'ai dit, vous êtes venu ici, alors que le lieu de rendez-vous, il n'est même pas là, et vous êtes là. Oh, mais j'ai dit, mais là-haut, ils sont pas fous, c'est avec nous que vous avez rendez-vous. Et le papy rigolait. Et je me dis, ben voilà, on n'a peut-être pas les mêmes...
lunettes de conscience, mais au moins il y a un message qui est passé. Et il était là, il rigolait, et puis il comprenait ce que je disais. Et j'ai dit, voyez, vous avez pris de l'avance, tout, parce que vous croyez qu'il y avait les bouchons, mais en fait, on avait rendez-vous ensemble. Il me disait, oui. Et tu vois, à ce moment-là, il était pas sénile hein, quand il. Oui. Mais c'est quand il était dans. Oui. Ouais. Et il n'arrêtait pas de demander l'heure. Et chaque fois, toutes les 5 minutes, il me demandait l'heure. Et à la fois, il nous racontait plein de trucs de notre époque. Mais dans l'instant présent, toutes les 5 minutes, il nous demandait l'heure. Et je disais, oh, vous rendez compte? Heureusement qu'on s'est rencontrés. J'ai dit, parce qu'au moins, l'horloge, elle tourne plus vite en parlant. On oublie le temps. Et il rigolait. Et après, il nous dit, merci. Merci, hein. Il me dit parce que j'ai passé un bon moment. Et puis il me dit grâce à vous, j'ai vraiment pas vu le temps passer, on y est encore. C'était vraiment marrant. Et je me disais, ben, c'est beau quoi. Et c'est ça en fait, le partage, et peu importe. Mais là, c'est vrai que c'est pas la famille, c'est quelqu'un de l'extérieur. Mais moi, avec la famille, j'ai compris que je n'ai pas le droit de faire d'intrusion. C'est-à-dire que quand ils m'appellent, qu'ils sont en demande, je leur parle, je leur explique tout ce qu'ils veulent. Ma vie. Par contre, moi, je ne me vois pas appeler pour leur dire eh oh, je vais vous raconter ma vie, quoi. Et ils n'en ont rien à faire. Hein, parce qu'on n'est pas sur la même. On n'a pas la même paire de lunettes. Hein, on n'a pas les mêmes écouteurs. Donc, ben, je respecte. Hein. C'est du respect. Mais ça ne m'empêche pas de penser à eux. Et là, en ce moment, ben voilà, l'histoire de Loa, avant de venir aux rencontres d'Alain, toute une histoire d'Alain, à côté de là où on vit, à la chapelle Saint-Alain. Mon père est de partout, mon père. Mais on cherche à régler quoi? Quand on cherche à régler les problèmes avec sa famille, ben il faut aller voir encore plus loin. La famille, c'est ce qu'il y a de plus près, c'est ce qu'on voit avec nos yeux. Mais qu'est-ce qu'on cherche? La famille stellaire, ça va encore plus loin. Et je vois que mon père, il en fait partie. Après, est-ce que lui va faire le chemin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, mon travail à moi, c'est de montrer le chemin que je fais. C'est de faire le chemin, déjà. Parce que dans mon avenir, il y a quelque chose qui va se passer et qui va émaner d'autres choses. C'est une onde. Hein. Et l'onde, elle ne s'arrête pas à 50 cm de moi. Elle va à l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai touché tout à l'heure. Quoi. Et loin. Et moi, je suis en train de... Et là, mon père, c'est un artiste dans l'âme, quoi. Ouais. Moi, je suis en train de vivre un processus avec ma mère, là, qui est... J'arrive à une étape assez charnière, en fait. Où, on va dire, les deux dernières fois que je l'ai eu au téléphone, je sentais qu'elle m'appelait... Bon, ma mère, elle est toujours en demande, un peu comme tu disais par rapport à ta mère. Il y a quelque chose où elle... Elle chemine, elle se remet très fort en question parce que bah, elle voit les difficultés de la vie d'une autre manière qu'avant, quoi. Et notamment dans le couple, où ils ont quand même plus de 30 ans de mariage et il y a plein de choses qui sont en train de se mettre à jour, d'exploser. Et du coup, il y a eu des moments très forts qu'on a discuté ensemble, qu'elle a pris conscience de choses, que bah, forcément moi, au miroir, j'ai vu mon attachement par rapport à ma mère, j'ai vu à quel point j'essayais de la convaincre de certaines choses et tout ça. Et là, les deux derniers coups de fil, c'était comme il y a déjà eu avant, mais j'y ai déjà exprimé que quand elle avait besoin d'avoir des nouvelles pour se rassurer et que moi, je sentais l'attachement mère-fille, en fait... Je sais que je suis actrice de cet attachement, mais que en fait, j'arrive plus à rentrer dedans. Je peux pas, je me sens pompée de l'énergie et du coup, je suis muette au téléphone. Je peux pas être vivante, je peux pas échanger. Je suis muette parce que je sens. Mais alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Tu sens qu'elle a prédation. C'est ça. Et du coup, ça, j'ai essayé de l'expliquer avec les mots les plus entendables. Quand cette énergie-là, moi, je peux plus. Et du coup, forcément, nos chemins ils bifurquent parce que je peux pas me mettre à cette portée-là dans laquelle j'étais avant inconsciemment dans ce lien d'attachement en fait. Et du coup, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone où elle m'appelait dans cette énergie-là, elle m'explique ses compréhensions parce qu'elle sait que ça m'intéresse, des compréhensions par rapport aux animaux, qui s'est passé, des compréhensions par rapport à mon père et tout ça. Mais où je sens que ça reste quelque chose qui est la compréhension pour nourrir cet attachement en fait. Et là, je pouvais pas rentrer dedans et je me sentais, je sais pas, j'étais en train de m'affaiblir. Et à un moment, j'ai eu besoin de me mettre debout, d'aller dehors et de parler. Et là, bah, c'était une autre partie de moi qui parlait, enfin qui était vraiment présente.
Et j'ai été assez raide, on peut dire, de l'extérieur, quoi, où j'ai dit, mais maman, là, je peux plus rentrer dans cette énergie d'attachement dont je t'ai déjà expliqué auparavant, et je me sens, je sens toute mon énergie qui part, et du coup, tant que tu t'informes pas sur... En fait, ça venait sur les racines de la prédation. Mmh. Tant que tu t'informes pas sur la prédation, moi, je peux plus discuter avec toi parce qu'il y a un moment, on se comprend plus. Donc, quand on se comprend plus, on peut plus discuter, quoi. Et en fait, c'était son blocage à elle, son prédateur qui lui met le grappin dessus pour pas qu'elle dépasse le cap de s'informer sur la prédation. Et du coup, qui fait que ça nous maintient dans ce truc-là. Et en fait, ça a été à moi de dire, bah, stop. En fait, tant que tu vas pas t'informer, tant que tu prends pas ton énergie, parce qu'elle a une vie très active, même si elle est en train de diminuer et qu'elle prend conscience de plein de choses, tant que tu vas pas t'informer, bah, moi je peux plus communiquer avec toi. Il y a une barrière qui est en train de se mettre et qui devient de plus en plus grosse, quoi. Et du coup, ça s'est fini là-dessus, parce que en plus, j'ai dit, bah, moi quand tu m'appelles, oui, ma minette, ma. Enfin, les mots affectués et tout ça, moi, c'est. Et ce truc où je me sens oppressée, donc. Et le coup de fil, c'est fini sur bon, bah, au revoir. Et en fait, après, j'ai une vague de culpabilité qui est encore là. Ouais, c'est logique. De sentir comment j'ai été... Là, le prédateur, oui, tu es dur. Oui, c'est ça. De me sentir raide, quoi, tu vois. Ce propre raideur que ma mère a aussi, qu'on se fait miroir. Ouais, hein. Mais, et du coup, là, il se passe vraiment ce truc en ce moment par rapport... C'est toujours ce truc qui est délicat parce que plein de personnes, je les vois plus. Simplement, elles ont plus aucun besoin de contact avec moi, et ma mère a toujours été en demande, et en demande avec l'attachement, et en fait c'est toujours ça qui a été délicat à... Et puis en fait c'est vrai que là, en fait, ton invitation, c'était juste de voir l'attachement pour elle, quoi, de sa part, parce que toi, bon, tu chemines et je sais que t'existes. C'est le fait de ben, qu'elle ne cherche pas parce que justement elle a peur de perdre sa fille. Tu vois ? Et oui. Là, c'est voilà, tu fais les recherches parce que ben, c'est pour ton évolution et l'évolution ben, de plein d'autres personnes aussi. Parce que chaque personne qui travaille ses prises de conscience et qui fait un véritable travail, ben, il ne le fait que pas que pour soi. Hein. C'est ça. Il le fait pour l'humanité au complet parce que l'ADN, il est chez tout le monde. Quoi. Ouais. Donc. C'est des cas, quoi. Ouais, et en même temps que je lui parlais, que je lui parlais de son attachement, que je supportais pas, en fait, j'avais conscience qu'il y a un moment, il fallait que je m'arrête de parler, parce que de toute façon, moi, je pouvais insister pour lui dire d'aller chercher l'information. Ouais. Si le message y passait pas, c'était moi, j'étais dans cet attachement de vouloir la sauver. Donc, oui. En même temps, donc, je voyais son attachement. Mais pas par toi. C'est ça. Et moi, je voyais mon attachement à vouloir la pousser à aller chercher l'information, à aller dépasser ce cadre de la prédation pour qu'en fait je puisse continuer à la côtoyer. Voilà. Et donc du coup j'étais en miroir avec mon attachement, ça. Voilà. Et du coup c'est ça qui a été fort, c'était de me dire d'arrêter d'insister. Ouais. Tu vois, d'arrêter d'insister. Et là ça m'a mis un coup. Il y a eu ma culpabilité et il y a mon impuissance de me dire là faut que j'arrête. Ah oui. Tu vois. Donc c'est. Mais... Non, mais c'est exactement ça, hein. C'est hyper fort. Et c'est vrai que l'autre nous montre notre propre attachement. Hein. Et je vois, comme tu dis, le travail que j'ai effectué avec mes parents, au début, je me disais, mais c'est hyper dur, parce que je voulais vraiment faire mon chemin, mais à la fois, je sentais qu'on me tenait par les pieds, quoi. Et jusqu'au moment où j'ai accepté que c'était comme ça, et que... d'arrêter de lutter contre et de ne pas faire les choses pour avoir un résultat. Et quand j'ai commencé à lâcher ça, en fait, ma propre emprise sur eux, finalement, parce que c'était moi qui les attachais, eux, ils répondaient à mon attachement. Et sur le coup, ben, ça changeait complètement nos relations. Mais complètement, moi, je vois la relation que j'ai avec mon père et ma mère, où, on a eu des liens très particuliers, et surtout ma mère, qu'on est revenu, elle a eu des mémoires où c'était ma fille. Où pour moi, j'ai vraiment cette impression d'énormément m'occuper d'elle. Bon, ce n'était pas qu'une impression. Ben, il est arrivé un moment où moi-même, il m'a fallu dire, bon, ben, j'arrête, quoi. Ouais. J'arrête ce jeu de rôle, parce que sinon, on ne s'en sort plus, quoi. C'est vraiment douloureux. Hein. Mais passer la douleur,
C'est un cadeau. Ça serait pas de vie en vie, c'est ça le souci. C'est, eh oui. Elle était mon fils. Ah d'accord. Elle était ma belle-mère. Ah oui. Qui était la mère de, elle était la mère de Laurent à l'époque. C'était, enfin c'est que des. Oui donc des liens très clairs qui reviennent tout le temps, tout le temps. Ouais. Ouais, ouais. Moi ça va, j'ai coupé. Moi, enfin il y a quelques années c'était fusionnel. Moi j'ai coupé ça, mais elle encore c'est, elle veut pas sortir de ça. Ouais. Ça se fait étape c'est le pire fléau. Ah, oui, oui. C'est un fléau. C'est étape par étape. Ouais. Okay. Vous voulez qu'on fasse une pause? Ouais. Ouais. Moi, oui, j'ai très faim. Je suis fatigué. Ego!